أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Mes chers frères et sœurs, comme chaque vendredi, dans le cadre de l'école de Konya, on étudie le traité de Hakim al-Tirmidhi sur les citades spirituelles du cœur. La fois dernière, on avait étudié les caractéristiques du deuxième stade du cœur, à savoir lui-même, en parlant plus particulièrement la lumière de la foi développée dans ce deuxième stade. Comme on a bien vu dans le premier stade du cœur, le voyageur spirituel, le salik, développe la lumière de l'islam venant de la pratique religieuse en se soumettant aux ordres divins. Et par contre, dans le deuxième stade spirituel du cœur, on développe cette fois-ci la lumière de la foi, parce qu'on installe parfaitement la foi en pratiquant sérieusement et intérieurement avec les caractères spirituels la religion. Alors aujourd'hui, on va parler de la maladie du cœur. En fait, l'auteur Hakim al-Tirmidhi nous parle aussi de la maladie du cœur. Le cœur peut être malade. Quand le cœur physique est malade, ça complique le fonctionnement du corps. Si la maladie spirituelle existe dans le cœur spirituel, à ce moment-là, le fonctionnement de la spiritualité disparaît et l'homme devient malade psychiquement, spirituellement, moralement. On peut très bien dire que les maladies psychologiques proviennent de la maladie spirituel du cœur. Voilà, comme d'habitude, je lis le texte en arabe pour ceux qui connaissent l'arabe, et puis je traduis et j'interprète. Fi ma'na al-marad. Fi qulubihim marad. Wa aslu jami'i adh-dhunubi qasawatu al-qalbi. Qala al-hakim inna al-qalba إذا قسى لا يبالي إذا أساء والقلب إذا استنار بنور الله ونور الإيمان تولى الله حفظه وملأه محبة وخشية وأقفل عليه قفل القدرة ووضع مفتاح المشيئة في خزانة غيبه ولا يطلع عليه أحد إلا في وقت سكرة الموت فحينئذ يظهر له ما في غيبه وإن القلب إذا امتلأ من ظلمات الكفر والشك والنفاق قيض الله لصاحبه شيطانا فتولى حفظه وأقفل عليه قفل الخزان والله يعلم عاقبته
وما يؤول إليه أمره لا يظهر ذلك لأحد إلى أن يغرغر وذلك سر الله لا يطلع عليه غيره فكم من كافر بعيد وفق بالإيمان فيموت سعيدا وكم من مؤمن قريب يخذله ربه فيموت شقيا. Voilà. Sur le sens de la maladie, marad, Dieu a dit. L'auteur nous cite tout de suite un verset qui parle de la maladie du cœur. Pour prouver l'existence de la maladie spirituelle du cœur. En leur cœur, voilà le verset, il y a de la maladie. Alors, cette expression montre clairement, d'après lui, qu'il existe une sorte de maladie, la maladie spirituelle. Déjà, le fait que le Coran nous parle de la maladie du cœur, alors, nous incite à parler sur le sujet. Le fondement de l'ensemble des péchés, l'origine de l'ensemble des péchés, c'est la rudesse du cœur. C'est très important pour les soufis. Voilà le texte en arabe. Wa aslu jami'i dhunubi. Voilà l'origine, le fondement de tout, de l'ensemble des péchés, de tous les péchés. Qasawatul qalb. C'est la rudesse du cœur. Provient de la rudesse du cœur. Le cœur devient rude pour quelle raison? Si on ne respecte pas les principes de la vie spirituelle du cœur, et comme on a bien expliqué la fois dernière, si on ferme la porte au développement spirituel venant du voyage spirituel, à ce moment-là, la porte est fermée et le cœur devient le lieu de la manifestation des effets de l'âme qui ordonne dans le mal et des tentations du diable. Et à ce moment-là, le cœur devient et il n'accepte plus les effets de la spiritualité venant de l'esprit concernant la réalité humaine liée à celle de Dieu. Voilà, ici, il y a deux idées importantes. Le Coran nous parle de la maladie du cœur. Cela nous permet de parler de la maladie du cœur, de la maladie spirituelle du cœur. Et deuxième idée, le cœur devient rude, c'est l'idée de la rudesse du cœur. Alors, il faut examiner pourquoi, pour quelle raison le cœur devient rude. Le sage, un tel sage, a dit, Hakim, quand on dit sage dans le texte religieux musulman, ça peut être le philosophe, Hakim, ou ça peut être aussi le soufi, parce que le soufi, comme Hakim et Tirmidhi, s'appelle aussi le sage, parce que la philosophie musulmane et la spiritualité musulmane s'appellent d'une manière générale la sagesse. Alors, la spiritualité et la philosophie cherchent la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? La hikma, wad'u shay'i ala makanihi. Le fait de mettre chaque chose, chaque parole à sa place, au niveau du comportement, au niveau de la parole, au niveau de l'action, etc. À tous les niveaux, agir avec ce qui est convenable à l'être humain.
à sa philosophie, à sa réalité et spirituelle. Lorsque le cœur est rude, voyez, le sage a dit, lorsque le cœur est rude, il ne se rend pas compte quand il fait du mal. Voilà. Parce que, comme vous savez, les soufis s'intéressent au comportement spirituel. Alors, si le cœur est malade et rude, à ce moment-là, il ne fait plus attention à ce qu'il fait. Au niveau du comportement, il suit les effets de l'âme qui ordonne le mal. Et comme vous le savez, quand l'âme qui ordonne le mal envahit le cœur à travers son premier stade, le sadhu, à ce moment-là, le cœur suit 100% exactement les effets de l'âme qui ordonne le mal. À ce moment-là, le cœur ferme la porte à son développement spirituel. C'est très important parce que finalement, le fait de parler de l'aspect théorique abstrait de la spiritualité, c'est finalement pour le comportement. Et parce que le soufi, c'est quelqu'un qui est pratique, qui s'intéresse à la pratique religieuse d'une manière convenable. C'est la raison pour laquelle on peut très bien dire que l'objectif du soufisme, c'est d'acquérir les nobles qualités, le bon comportement dans la vie individuelle et sociale. Le fait de développer le voyage spirituel, finalement, vise à acquérir les nobles qualités et qui nous permettent de vivre convenablement dans la vie sociale, bien sûr individuelle. Lorsque le cœur est illuminé de la lumière de Dieu et de la lumière de la foi, voilà. والقلب إذا استنار بنور الله ونور الإيمان. Dans ce cas-là, ça veut dire lorsque le cœur est illuminé de la lumière de Dieu, de la lumière divine et de la lumière de la foi, comme vous le savez, le deuxième stade est le lieu de la manifestation de la lumière de la foi. Dieu entreprend de préserver ce cœur, de le préserver. Voyez, on développe la spiritualité grâce à l'aide divine, en fait. Si l'assistance divine, l'aide divine n'existe pas, on ne peut pas protéger notre cœur contre le mal qui provient de l'âme qui ordonne le mal. Alors Dieu entreprend de le préserver, de préserver le cœur, l'emplit le cœur d'amour et de crainte. L'amour divin et la crainte révérentielle. Je relis le texte en arabe. وَالْقَلْبُ إِذَا إِسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ وَنُورِ الْإِيمَانِ تَوَلَّ اللَّهُ حِفْظًا. Vous voyez, Dieu entreprend de l'action finalement. وَمَلَأَهُ مَحَبَّةً وَخَشَّةً. Et l'emplit d'amour, de la crainte révérentielle. Ferme sur lui le verrou de la puissance et dépose de la clef de la volonté dans le trésor de son mystère. Wa aqwala alayhi qafl al-qudrati wa wada'a miftah al-mashiyati fi khizanati ghaibihi. C'est très important cette expression. Et si c'est Dieu qui entreprend de la protection du cœur, et vous êtes protégé, vous êtes pris en charge divine, lorsque l'âme qui ordonne le mal vous dérange, essaye de pénétrer dans votre cœur spirituel, et Dieu va protéger votre cœur grâce à la lumière acquise
par votre pratique religieuse. Il faut pas oublier que tout commence par la lumière de l'islam, de la soumission, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez vous soumettre à l'ordre divin, vous devez pratiquer la religion, les principes proposés ou ordonnés par Dieu. Vous allez essayer de mettre en œuvre les actes religieux, même si vous ne comprenez pas le sens exact, même si vous ne sentez pas quelque chose de spirituel, peu importe. Vous devez vous lancer dans la pratique en suivant les savants ou les hommes spirituels qui vous guident. Il faut se lancer dans la pratique qui va vous permettre d'avoir une sorte de puissance. Cela signifie qu'il faut fortifier la volonté individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, on essaie de fortifier la volonté de l'enfant et du jeune, parce que l'enfant et les jeunes ne connaissent pas la vie, ne connaissent pas la réalité de la vie. On essaie de lui passer. Voilà, tu dois fortifier ta volonté, tu dois travailler, faire un effort. À l'école primaire et secondaire, les professeurs incitent là-dessus, incitent beaucoup. Le fait d'apprendre, c'est quelque chose, mais le fait de faire un effort, c'est essentiel. Parce que pour apprendre quelque chose, il faut travailler. Quelqu'un qui fait un effort, il va acquérir, obtenir ce qu'il veut ou ce qu'on veut de lui. Et petit à petit, étape par étape, le temps va lui permettre d'apprendre. Mais si la personne, l'individu, l'enfant et le jeune ne fait aucun effort, il ne pourra pas avancer. Alors, on essaie de casser sa paresse en lui disant, voilà, si tu ne fais pas un effort, tu vas rater. Quand tu rates, et alors là, tu vas rater dans la vie aussi. De même, l'homme voyageur, le voyageur spirituel, le salik, qui fait un voyage vers Dieu spirituellement, il doit d'abord fortifier sa volonté, son irada. C'est pour ça que le soufi s'appelle au départ Mourid. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui veut. Salik, l'itinérant spirituel ou le voyageur spirituel. C'est le soulouk, c'est l'itinéraire spirituel, le voyage spirituel. Alors là, et qu'est-ce qu'on lui demande au départ quand quelqu'un entre dans une tariqa soufi? Il doit d'abord accepter les principes de la tariqa et il doit se soumettre à l'ordre du guide, du cheikh, du murshid. Il pose aucune question en fait. Parfois les gens critiquent cet aspect. Ah oui, mais je dois critiquer, je dois poser des questions. Oui, mais si l'enfant au départ à l'école, bon, on doit poser des questions bien sûr, hein, c'est pas interdit. Mais au départ, il faut se soumettre à l'ordre divin au moyen du guide spirituel. Il faut comprendre quelque chose. Si l'enfant vient à l'école et il sait rien écrire, on lui apprend l'écriture, l'alphabet, il dit ah, pourquoi on fait A comme ça, B comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Tu dois apprendre. Tu dois d'abord faire un effort et tu dois te mettre au travail. Et après, petit à petit, tu peux poser la question. C'est de même, pareillement, pour le développement spirituel, la personne doit se soumettre pour acquérir une compétence, une qualité pour pouvoir comprendre les subtilités de la religion. Alors, voilà, pour le départ, au départ, tout commence par la soumission, en fait. Et grâce à la soumission à l'islam, c'est soumission, c'est le fait de se mettre au travail, vous allez acquérir une compétence qu'on appelle la lumière de l'islam. Voilà. Quand vous avez une lumière au départ, vous allez voir votre chemin. Vous voyez, vous devez avoir
une lumière pour illuminer votre chemin. Et si vous n'avez rien, vous n'avez aucune lampe, aucune lumière pour éclairer votre chemin, qu'est-ce que vous allez avancer? Comment vous allez avancer? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'au départ, vous devez trouver une sorte de lumière qui vous permet d'éclairer votre chemin. Vous allez comprendre le sens exact, le sens réel, le sens spirituel de la pratique religieuse. Par après, vous allez travailler sur la hikmah, la sagesse de la religion. Si vous ne pratiquez pas la religion, comment vous allez acquérir la sagesse religieuse? Voilà. Par après, Dieu entreprend de protéger le cœur et l'emplit d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour ici, c'est aimer ce que vous faites. Quand l'enfant avance dans l'enseignement, dans l'apprentissage, il va aimer l'écriture, la lecture, l'étude. Vous voyez, si l'enfant, au départ, n'a pas commencé à écouter son professeur, son maître, pour voir, pour avoir une sorte de lumière, la lampe, pour éclairer son chemin d'éducation, il ne pourra pas aimer le chemin de l'enseignement. Pour qu'il aime son voyage vers l'éducation, pour l'éducation, il faut qu'il écoute au départ. Voilà. Quand on écoute, nous avons deux oreilles pour écouter, nous avons une bouche pour parler. Après, tu vas parler, tu peux parler, parce que quand tu as appris des choses, tu as une capacité, une compétence, et tu parles, tu expliques par après. Tu peux devenir professeur. Voilà, l'amour envers, pour la sagesse, pour Dieu, et pour la philosophie, pour la spiritualité. Et la crainte. La crainte révérentielle, c'est envers Dieu, en fait. On a peur de notre Seigneur. On comprend très bien que notre grand Seigneur, c'est le Seigneur de l'univers. Et qui nous a créés, qui nous a créés pour devenir un bon serviteur en acceptant son message, en réalisant son projet. Et on va avoir peur, on va comprendre que nous sommes envoyés sur terre pour une mission. Nous ne sommes pas là par hasard, le hasard n'existe pas, parce que on ne peut pas dire que cette chambre, cette salle a été faite par hasard. Non, si une petite chose ainsi ne vient pas du hasard, l'univers ainsi et l'homme qui a la capacité de parler, de réfléchir, elle ne vient pas du hasard. Et il n'est pas là pour n'importe quoi. Il est là pour un objectif. Voyez, il faut comprendre philosophiquement et spirituellement qu'il y a un sens pour la vie, en fait. Et ferme, Dieu dit ferme sur lui, sur le cœur, le verrou de la puissance et dépose de la clé de la volonté. Voyez, la volonté. C'est la volonté qui fait la vie. Hein. Il faut vouloir quelque chose. Les gens dépressifs qui ont beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ce sont des gens qui n'ont pas la volonté pour dépasser les problèmes et pour trouver des solutions pour les problèmes. Il faut avoir la volonté, l'irade, et voilà, dans le trésor de son mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important ici. Voilà. Et dans le trésor divin, il y a la compétence. Le trésor, il s'agit des noms divins et des qualités divines. Chaque qualité divine, chaque nom divin a une telle compétence.
Alors, si je pénètre, j'entre dans le trésor caché de Dieu, à ce moment-là, je vais avoir une série de compétences provenant de ces qualités divines. Alors, pour devenir un homme parfait, l'homme parfait, l'insan el-kamil, je dois avoir une partie de chaque nom divin. Je dois avoir la manifestation, la théophanie, tejelli, mazhar, venant de chaque nom divin, de chaque qualité divine, grâce auquel je vais avoir la sagesse. Et mes paroles et mes comportements vont devenir sages, si vous voulez. Alors, il faut pénétrer, il faut entrer dans le mystère divin. Parce qu'on ne le voit pas clairement, il faut entrer dans le mystère divin. Voilà, nulle non-connaissance sinon au moment de l'agonie. Et à ce moment-là, lui apparaît ce qui se trouvait en son mystère. Voilà. Grâce à la mort corporelle, quand l'esprit abandonne notre corps, on va rencontrer, on va connaître le mystère divin. Mais c'est trop tard. Ça sera trop tard. Alors, c'est maintenant qu'il faut comprendre le mystère divin. Parce que si on veut réaliser une vie selon le projet divin, je dois comprendre ma mission. Je suis là, je n'ai pas compris la mission donnée à moi. Je ne donne pas un sens à la vie. Je ne sais pas pourquoi je suis là, tout simplement. Alors si je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne vais pas donner un sens à la vie et je ne connaîtrai pas ma mission. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer comme un enfant qui ne comprend pas la vie, qui joue. Oui, quand l'enfant joue, il se prépare pour la vie. Alors on l'avertit petit à petit, en fortifiant sa volonté, il comprend la vie et il devient un adulte. Et il prend sa responsabilité. De même, l'homme qui est un enfant, qui doit comprendre sa spiritualité en pénétrant dans son mystère, qui n'est pas visible, qui est invisible, et c'est pour ça qu'on parle de voyage spirituel vers l'esprit. C'est ça le voyage, c'est le souloup vers l'esprit, pour découvrir notre réalité existentielle et réelle. On va bien sûr connaître dans l'agonie, ça veut dire à la fin de notre vie, la réalité va nous apparaître à ce moment-là, on va comprendre, rencontrer notre Seigneur et on va comprendre pourquoi on était là. Mais ça sera trop tard. C'est pour ça que le texte divin, le Coran, comme la Bible, la Torah, dans leur temps, nous prévient notre mission. Et il nous parle de la fin de la vie et après la mort, pourquoi on est là, pour quelle mission, etc. Et les livres divins nous montrent comment on doit vivre, ce qu'on doit respecter, les ordres divins, on parle des ordres divins et de ces interdictions pour réaliser la vie demandée par Dieu. Voilà. ولا يطلع عليه أحد إلا في وقت سكرة الموت l'agonie de la mort فحينئذ à ce moment-là يظهر il apparaît له à lui ma في غيبه ce qui est à son mystère en son mystère lorsque par contre le cœur
et emplie des ténèbres de la mécréance, du doute et de l'hypocrisie. Dieu attache à son propriétaire un Satan, entreprend de le préserver et ferme sur lui le verrou de l'abandon. Voilà. وَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا امْتَلَأَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ des ténèbres de la mécréance, والشك du doute, والنفاق de l'hypocrisie, قَيَّضَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ شَيْطَانًا. Dieu attache à son propriétaire, à ce cœur, un Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites la porte pour la spiritualité, pour le voyage vers l'esprit, et à ce moment-là, vous allez vous tourner vers votre premier stade du cœur, à savoir la poitrine, qui est le lieu de la manifestation des tentations diaboliques, sataniques. فتولى حفظه وأقفل عليه قفل الخزان. Entreprend de le préserver et ferme sur lui le verrou de l'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire? L'abandon, c'est Dieu a abandonné votre existence spirituelle. Il ne va pas vous aider, il ne va pas vous protéger contre le mal, de l'âme qui ordonne le mal. Parce que vous n'avez pas manifesté votre volonté, irada, pour ce voyage. Voyez, ça dépend, tout dépend de notre volonté, tout dépend de notre préférence. Alors, on doit préférer notre objectif, on doit manifester notre volonté, positive ou négative, pour la vie. Dieu sait sa fin et à quoi son affaire aboutira, mais cela n'apparaît à personne jusqu'à râle agonie de la mort. Wallahu ya'lamu aqibatahu. Dieu sait sa fin. Wallahu ilayhi amruhu la yasharu dhalika li ahadin illa an yughaliqa. Mais cela n'apparaît à personne jusqu'à l'agonie de la mort. À ce moment-là, les rideaux disparaîtront. Vous allez voir la réalité telle qu'elle est. Mais il fallait connaître cette réalité avant de la mort. C'est le secret de Dieu, dont personne d'autre n'a connaissance. Combien il y a de mécréants qui sont loin, mais qui sont assistés de la foi et meurent heureux. Combien il y a de croyants qui sont proches, mais que leur Seigneur abandonne et qui meurent malheureux. وذلك سر الله لا يطلع عليه غيره فكم من كافر بعيد وفق بالإيمان فيموت سعيدا وكم من مؤمن قريب يخذله ربه فيموت شقيا. Alors tout cela c'est le secret de Dieu. On ne sait pas qui va terminer sa vie avec la foi ou avec la mécréance. Il y a des gens qui sont croyants au départ, mais qui vont mourir comme mécréants et ils vont devenir malheureux. Et il y a des gens qui sont non-croyants au départ et à la fin de leur vie, ils vont accepter la foi et ils vont avoir le bonheur, ils vont devenir heureux. Alors là, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre l'espoir à l'égard des gens. Il ne faut pas non plus avoir la confiance pour les gens. Il faut toujours espérer et avoir peur. Il faut avoir peur pour les gens qui croient, qui acceptent actuellement. Et s'ils ne font pas attention pour le reste de la vie, ils peuvent très bien perdre leur foi pour une raison ou une autre. Et ils vont devenir malheureux. Ça veut dire malheureux ici, ils vont aller à l'enfer, ils vont perdre l'assistance divine à cause de la perte de la foi vers la fin de la vie. Par contre, il y a des gens qui sont mécréants, ils sont dans le kufr, mais par après,
ils connaissent la vérité, ils tournent le chemin, ils retournent, ils trouvent la réalité, et ils connaissent la mission divine et ils pratiquent leur religion vers la fin de la vie et ils deviennent heureux, ça veut dire ils vont au paradis. C'est pour ça qu'il faut se méfier de notre situation actuelle. Il faut toujours fortifier la volonté pour avoir l'évolution encore développée. Voilà. اعلم واعلم رحمك الله أن قدرة الله نافذة وأنه لم يطلع على مراده ومشيئته في خلقه وخواتم أعماله إلا طائفة من الأنبياء وذلك علامته لصحة نبوتهم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10 من أصحابه أنهم من أهل الجنة كرامة من الله بفضل منه عليه. Voilà, sache-le, Dieu te fasse miséricorde, la puissance de Dieu est efficiente. Anna qudrata Allahi nafidatun. Personne, cependant, n'a connaissance de ce qui est voulu de lui, ni de sa volonté concernant sa création, ni des sceaux de ses actes, sinon un groupe de prophètes. Et c'est là sa manière de faire connaître l'authenticité de leur prophétie. Marque de générosité de Dieu et faveur de sa part à son égard, le messager de Dieu, Dieu prie sur lui et lui dans la paix, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé à propos de 10 de ses compagnons qu'il serait d'entre les gens du paradis. Voilà, on ne comprend pas très bien ce que Dieu veut concernant sa volonté, sa création, ses actes, sinon un groupe de prophètes qui connaissent ce secret-là. Parce que nous, on ne voit pas comme il faut la réalité, la vérité, le mystère. Nous sommes voyageurs envers Dieu, on réalise un voyage vers lui, mais on n'a pas encore acquis la connaissance terminale, on n'est pas encore au stade terminal du voyage, de notre voyage spirituel, et c'est à cause de ça, c'est la raison pour laquelle on ne comprend pas tout ce qui se passe en réalité et on ne sait pas ce qui va arriver. Sauf si Dieu permet à certains prophètes, eux, ils connaissent la vérité et ce qui va arriver. Grâce à Dieu qui leur permet de voir ça grâce à lui. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien informé à propos de ses compagnons, 10 compagnons, et qu'ils seront dans le paradis. Il a bien cité leur nom. C'est Dieu qui lui a donné l'information. C'est pas lui qui sait par lui-même, c'est Dieu qui lui a donné cette information. Voilà, les prophètes ou certains prophètes peuvent nous donner les informations concernant le mystère. Par contre, de même, les Evliyaullah, les amis de Dieu, peuvent aussi acquérir une sorte de connaissance concernant le mystère divin. Parce qu'eux aussi, ils essaient d'être proches à Dieu, de s'approcher de lui. Et en s'approchant de lui, on voit certaines réalités. Vous voyez, entre nous et Dieu, il y a quoi? Il y a des rideaux
ténébreux et lumineux. Il y a des voiles ténébreuses et lumineuses. Il y a un voile ténébreux et des voiles ténébreux et lumineux entre Dieu et nous. Alors, il faut déchiffrer, il faut passer et fermer, si vous voulez, ou ouvrir plutôt ces rideaux, d'abord ténébreux, qu'il s'agisse des interdictions, si on abandonne les interdictions de Dieu. Si on réalise l'ordre divin, et si on abandonne l'interdiction divine, et alors on a la possibilité d'ouvrir les rideaux ténébreux, ils disparaissent. Par après, il reste entre nous et Dieu les rideaux lumineux. Ça vient, ces rideaux lumineux provient de certains caractères mauvais, alors, comme l'orgueil, etc. Alors, il faut les dépasser, il faut les supprimer, il faut avoir une neutralité, devenir un serviteur propre à Dieu, à savoir, c'est un serviteur qui fait aucune chose sauf pour Dieu. Et à ce moment-là, Dieu leur permet de connaître quelque chose pour son mystère. Et à ce moment-là, ces gens-là voient les choses d'une manière claire. Pas comme les prophètes, mais semblable. Et à ce moment-là, on appelle ces gens sages, hakim. Et c'est ces gens-là qui agissent d'une manière convenable, qui parlent convenablement. Voyez, comme je viens de dire tout à l'heure, la sagesse au niveau de la parole, au niveau du comportement, de l'action, se trouve chez les gens qui sont devenus, en quelque sorte, l'ami de Dieu. Voilà, on va parler maintenant de l'intention du cœur et puis on va terminer pour aujourd'hui, Inch'Allah. واعلم أن مدار تأكد وجوب الثواب والعقاب بالقلب وفعله بالنفس تبعة قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وإنما هذا في أحكام الآخرة وأما حكم الدنيا فالنفس تؤاخذ في أفعالها وأما فيما بين العبد وبين ربه فإن الحكم بما في القلب قال الله تعالى في شأن عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فبين الله عذره أنه لم يضره ذلك لا طمأنينة قلبه على صدق الإيمان ويثاب العبد لعمله بالأركان إذا صحت نية قلبه على ذلك بنور الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب الناس على قدر نياتهم وإنما الأعمال بالنيات ولا عمل لمن لا نية له. Voilà, ce sujet est très important aussi pour les soufis, à savoir l'intention. Tout dépend de notre intention finalement. L'intention du cœur, sache-le, la certitude de la nécessité, de la récompense et du châtiment. Voyez, grâce à notre servitude, on attend la récompense divine et on essaie de nous libérer du châtiment divin. Alors, la certitude de la nécessité de la récompense et du châtiment est fonction du cœur. Voilà, encore ça dépend du cœur. Son action relevant ensuite de l'âme. Voyez que si vous voulez avoir une récompense divine, il faut vérifier votre intention, si elle est attachée
à l'ordre divin, à la volonté divine. Le Dieu Très-Haut a dit, mais Dieu s'en prend à vous en fonction de ce que vos cœurs ont acquis. Voilà. Ce n'est pas les membres, c'est pas, ça ne concerne pas l'acquisition des membres du corps, c'est l'acquisition du cœur. Ceci concernant seulement les décisions de l'au-delà. Alors, si le cœur vise à avoir une récompense dans la vie de l'au-delà et qui agit pour cette récompense divine qui vient par après, et à ce moment-là, c'est une bonne intention. Sinon, si, même si on pratique la religion d'une certaine manière, mais si on ne vise pas avec cette pratique la vie de l'au-delà, la récompense viendra dans la vie de l'au-delà, on va perdre le sens de cette pratique même religieuse. Concernant par contre ce qu'il y a entre le serviteur et son seigneur, la décision est fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Il y a toujours dans le cœur. Ça dépend de notre cœur, ça dépend de ce qu'on a dans notre cœur. Le Dieu Très-Haut a dit au sujet de l'Ammar bin Yassir, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est rasséréné par la foi. Dieu a rendu manifeste son excuse, à savoir que cela ne lui nuirait pas du fait de la sérénité de son cœur, en la vérité de sa foi. Vous connaissez l'histoire de Ammar bin Yassir, qui a été forcé par les associateurs de la Mecque pour qu'il abandonne sa foi. Lui, il a manifesté la mécréance et le kufr par sa bouche, manifestement, mais en gardant toute la foi dans son cœur. Et grâce à la sérénité de son cœur, parce que sa cœur était serein, il n'a pas perdu la foi dans son cœur, mais il a manifesté sa mécréance par sa bouche pour qu'il soit abandonné par les associateurs parce qu'on lui faisait du mal. Alors là, il gardait la vérité de sa foi dans son cœur grâce à ce qu'il avait dans son cœur et il a été sauvé. Le serviteur est récompensé pour son action, voilà, avec ses membres lorsque l'intention de son cœur à cet égard est rendue authentique par la lumière de la foi. Voilà. C'est très important aussi parce que nous sommes en train de parler de la lumière de la foi se trouvant dans le cœur grâce à la lumière de la foi, même si on abandonne la foi par la bouche, ça ne signifie rien. Ce n'est pas très important. C'est ce qui est important, c'est plutôt ce qu'on a dans le cœur. Le messager de Dieu, Dieu prie sur lui et lui donne la paix, a dit « Les gens seront récompensés proportionnellement à leur intention. » C'est un hadith prophétique fondamental pour la pratique religieuse. Je répète, les gens seront récompensés proportionnellement à leur intention. Alors, le texte en arabe. يثاب الناس على قدر نياتهم إنما الأعمال بالنيات ولا عمل لمن لا نية له. Il y a trois sortes de paroles prophétiques qui parlent de la même chose. Je répète, les gens sont récompensés proportionnellement à leur intention. Les actions sont seulement en fonction des intentions. إنما الأعمال بالنيات. Point d'action pour ceux qui pour qui n'a pas d'intention. Voilà, عمل لمن لا نية له. Alors, je termine avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit avoir une bonne intention. Ce n'est pas l'acte qui va nous sauver, c'est l'intention qui va nous sauver, finalement. Alors, il faut dire que ce que Dieu attend de nous, il faut avoir une bonne intention et il faut agir correctement comme la loi divine nous précise. Il faut être bon dans deux côtés. Mais finalement, ce qui est important, c'est plutôt ce qu'on a dans notre cœur.
Si au niveau de l'intention, nous avons une bonne intention, même si on se trompe dans l'action, c'est pardonnable. Ça dépend de chaque situation, mais c'est pardonnable. Mais si nous avons une telle bonne action, mais si on n'a pas une bonne intention, cette bonne action n'est pas valable. Voilà. Cela signifie que on réalise notre voyage spirituel grâce à notre intention qui vise le Seigneur. Voilà, je termine ici. On va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.